Bonjour, c'est Audrey pour Top for Phone. Aujourd'hui, nous avons reçu un téléphone portable de Nokia de la série N. C'est le Nokia N97 Mini. Et nous allons voir ensemble, eh bien, ce que propose Nokia dans son paquet. Donc, quand on reçoit le téléphone portable, quels accessoires nous pouvons avoir avec ce téléphone portable. Donc, d'un premier abord, vous voyez que le packaging, la boîte est quand même très classe, très sympa, d'un noir très sobre et très très classe. Donc, je vais ouvrir la boîte directement. On tombe sur le téléphone portable, donc le N97. Ici, normalement, il y a la batterie, mais elle est là actuellement intégrée dans le téléphone. Donc, voilà le petit bijou, le N97 Mini, qui est composé, donc vous voyez, en poussant sur le côté d'un clavier, et vous pouvez l'utiliser exactement comme un petit ordinateur de poche. Voilà, avec écran tactile, bien évidemment. Je continue. Dessous, alors, les différents accessoires que Nokia nous propose donc pour le N97 Mini. Un câble USB, bien évidemment. Un chargeur secteur. Et un kit piéton avec des embouts de rechange. Voilà, pour les oreillettes intra-auriculaires que l'on voit ici. Et le kit piéton, eh bien, sert bien évidemment à écouter de la musique ou à prendre vos appels. Donc vous voyez que vous avez des boutons, une petite télécommande, vous avez des boutons suivant, précédent, marche, arrêt, play. Et ici, bien entendu, vous avez pour prendre les appels ou pour raccrocher. Voilà, et bien évidemment, vous avez le manuel du smartphone, donc du Nokia N97 Mini et d'autres fascicules qui peuvent également vous intéresser, notamment un CD-ROM pour le site Ovi de Nokia et d'autres fascicules. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un petit peu ce que Nokia propose dans la boîte qui intègre, donc je rappelle, le smartphone Nokia N97 Mini, le chargeur secteur, le kit piéton et le câble USB. Dans une prochaine vidéo, nous ferons le test complet du téléphone portable de Nokia, donc le N97 Mini. À très bientôt!